Je ne peux plus attendre. Je dois être à la réunion maintenant. Où es-tu exactement? Hein? Tu sais quoi? Oublie. Oui. Soyez la bienvenue, madame. Assasez. Oui, c'est moi. Pourquoi ta voiture est si sale? Oh, pardon, madame. C'est la dernière passager que j'ai pris. Elle m'a fait promener beaucoup. Et c'est moi qui vais tous souffrir et rester ici? Que je le nettoie? D'accord. Attends, je... Non, non. Je suis très pressée. On doit partir. Je dois être au bureau. Allez, on y va. D'accord. Hello, maman. Je suis en train de conduire. Hein? Quoi? Quoi? Papa a fait quoi? Pourquoi il est en train de parier dans cette dure économie? C'est quoi son problème? Ah! Non! Mais moi, j'ai pas de l'argent. Je suis pas Dangoté. Ou il pense que je vois de l'argent dans la rue? C'est quoi son problème? Aujourd'hui, c'est parier. Demain, c'est n'importe quoi. Le lendemain, il va se saouler. C'est quoi son problème? Mais faut lui dire, hein, je vais pas l'envoyer l'argent encore. Je suis au travail maintenant. Je vais l'envoyer l'argent. Il va l'utiliser pour boire. C'est quoi ça? Je n'aime pas ça, hein. Faut lui dire. Je vais t'appeler après. Je suis avec mon client. Je suis en train de conduire. Oh, Sazé, tu es où? Quoi que tu t'appelles? Ma vie est littéralement dans tes mains. Alors que tu conduis cette voiture. Est-ce que tu peux arrêter de prendre des appels? On est à Lagos. Et si une autre voiture conduit auprès de nous? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Madame, faut te calmer. T'en faites pas. Ah, je vais te conduire jusqu'à ton destination. T'en faites pas. Je suis en train de conduire depuis 7 ans. Ou tu veux pas que je parle avec ma mère? Si ta mère t'appelle, tu vas le décrocher. Je crois que ça sera plus logique de rappeler ta mère quand c'est plus convenant. Madame, c'est ma voiture ça. Pourquoi tu es en train de me parler n'importe comment? Je vais te conduire bien. T'en faites pas. Attends, je vais décrocher cet appel. Est-ce que tu peux focaliser sur la route? James, comment? Quelque chose de neuf? T'es sûr? Ah, mon gars, tu m'as fait content maintenant. Sûr. Mais oui, je ne peux pas avoir cette opportunité, ne pas le prendre. Ah, frère, merci. Tu es très bon, frérot. Oui, frérot, je suis avec toi. Madame, s'il te plaît, faut pas t'énerver. Hein? Ça, c'est la dernière appel. T'en fais pas, je vais te conduire jusqu'à ta destination. Tu n'as pas de problème.
Est-ce que tu as reçu l'argent? Oui, oui, ça vient de rentrer. Ah, madame, c'est une étoile que tu m'as donnée? Excuse-moi, qu'est-ce que tu attendais exactement? Madame, pourquoi tu es très méchante? Tu sais que les étoiles là, aident les chauffeurs. Pourquoi tu m'as donné une seule étoile? Tu as quel cœur, madame? Combien d'appels j'ai décroché? Si ta mère t'a appelé, tu vas pas le décrocher? Quelle audace de me parler comme ça! Tu sais quoi? Tu reçois tout ce que tu as mérité! Avec cette voiture et tu manques d'hospitalité et les distractions que tu avais lorsque tu me conduisais! Tu as même de la chance d'avoir un retour de moi. Bonne journée à toi! C'est le travail. Faut pas fermer ma porte comme n'importe comment, hein? Faut pas le faire encore. Imbécile. N'importe quoi. Imbécile. Non? Mais... La chemise là serait bien, mais c'est plus bon. Non, c'est plus bon. Ah. Ça sent mal, non? C'est qui ça? Qu'est-ce que tu veux? Osazé, mon amour. Est-ce que tu es folle ou quoi? C'est qui ton amour? Tu te fâches toujours. Qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu as fumé du gué? Ah, écoute, je t'aime toujours. Et mon corps bat pour toi. Que tes sentiments soient, que tes sentiments sont très loin de moi. Tu as des sentiments pour moi et tu es allé baiser le propriétaire de la maison? Mais tu sais que c'est à cause de toi que j'ai couché avec lui. Oh, c'est à cause de moi. C'est ma faute maintenant, non? C'est ma faute. Bébé, désolée. Ah, je suis venue te dire quelque chose. Le locataire est vraiment fâché contre toi. Il veut même te chasser de sa maison. Qu'il soit fâché, c'est son problème. Tu sais que tu n'as pas payé le loyer du mois dernier. Il est vraiment fâché contre toi. Le locataire est vraiment fâché contre toi. Je te dis simplement parce que je suis une bonne copine. Une bonne copine pour qui? Pour le propriétaire de la maison? Osazé, je te supplie déjà, qu'est-ce qui se passe? Je te supplie déjà. Donc tu es en train de m'accuser? Tu es en train de m'accuser? Faut t'en aller. Ah! Ah! Tu as baisé le propriétaire de la maison et tu es en train de m'accuser. Oh, ça c'est bon. Je vais le porter comme ça. Streets. Jésus, le sang de Jésus. C'est quoi ça? Madame, est-ce que tu es aveugle? Désolée, je ne t'ai pas vu là-bas. Ne sois pas fâchée. Pourquoi tu ne m'as pas vu? C'est quoi ça? Madame, pourquoi tu m'as jeté l'eau d'haricot? Je te jure. Madame, est-ce que tu es aveugle? S'ils ne m'ont pas donné le travail, mon Dieu va te juger. Je t'ai déjà supplié. T'inquiète, avant que tu rentres, je vais te préparer un paiement de... Est-ce que je t'ai dit que le sauce du paiement est mon problème dans la vie? Mais... Ah,
sais pas pourquoi. Pourquoi elle m'a jeté de l'eau maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah. Salut. Bonjour. Où est mon agent? Monsieur, tu sais que j'ai pas l'argent. Arrête. Je veux plus rien entendre aujourd'hui. Tu me dois 2 mois de loyer. Est-ce que c'est mal de te faire bien de prendre 1 mois de loyer chez toi quand les gens sont en train de prendre 2 ans chaque fois? Est-ce que c'est un mal que je fais? Non. Je suis désolé. Je vais payer bientôt. Quand tu vas me payer? Ou tu penses que ici c'est un orphelinat? Regarde, mon garçon, je te donne juste 1 mois. Si tu ne me payes pas, je vais te chasser de cette maison. C'est quoi ça? Je suis désolé, monsieur. Désolé. Désolé pour toi. Frère, comment? Est-ce que tu viens de quitter l'interview? Non. Ils ont terminé. Je pense que je suis la dernière personne. Oh. Mais tu peux essayer. Ok, merci. Bonjour. Pardon, je suis ici pour l'interview. Oh, l'interview s'est terminée il y a 20 minutes. Mais, madame, je suis ici, hein? Il y a de l'embouteillage, tu sais? Tu sais comment les gosses sont. Et les sorciers ont essayé de m'arrêter de venir ici, mais je dis non, je dois être là. Pardon. Vous vous appelez comment? Osase. Merci beaucoup. Osase, avez-vous une déficience auditive? Excusez-moi. Vous êtes excusé. Partez. L'interview s'est terminée il y a 20 minutes. L'interview est terminée. Tu vois, ça c'est le problème ici. C'est le problème avec le Nigeria. C'est pour qu'on n'est pas civilisé. Je suis très sûr que tu es comme moi. Mais maintenant, tu es en train de faire comme si tu es plus forte. Je comprends pas. Regarde, la vie est très simple. Demain, ça peut être ton tour de besoin de mon aide. Monsieur Osase, quand tu as fini de te plaindre, veuille partir. Regarde-toi. Je suis sûr que c'est un homme qui t'a déposé ici. Et tu es en train de me traiter comme ça. Tu peux même m'aider. Osase, mon amour. Ah, ton nom. Tu es de retour. Regarde, toutes ces choses que tu fais, je l'aime pas, hein? Je l'aime pas. Comme toi. C'était comment l'interview? Comment tu savais que j'allais à l'entretien? Est-ce que je suis folle? Regarde tes chaussures qui brillent et tu t'habilles très bien. Je sais que tu es allée à une interview. Dis-moi, c'était comment? Est-ce que tu as eu l'emploi? Bien, ils ont dit qu'il va te rappeler. Je vois. C'est toi qui es la sorcière qui est en train de me suivre. Je comprends pas. Regarde, s'ils t'ont envoyé, faut leur dire que tu ne m'as pas vu. D'accord? Tu importes pour moi. Tu importes beaucoup pour moi. Tu sais ça. Osase. Tu importes pour moi. Lukaku.
Osaze. Ma, salut madame. Oui, j'étais appelé avant. Madame, pardon, tu vas me donner la voiture quand? Madame, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours. C'est pas comme ça qu'on fait le travail de délivration. Je te délivre toujours. Mais tu sais, quelque chose va se passer. Donc... Mais pourquoi tu dis que tu veux plus? Madame, ça c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. La voiture peut gâter si tu es en train de faire des affaires. Je te donne 30 000 chaque semaine. C'est pas ma faute. Mais tu sais que je peux pas sélectionner la place que je dois aller. La fois passée, j'ai changé l'huile de frein pour la voiture, je t'ai pas dit. Je te promets, donne-moi quelques temps. Quand je travaille, je vais te payer encore. Je te promets, s'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman. Allô, madame. Allô, madame. Ah. Ah, si ta voiture est gâtée, tu penses que c'est moi qui vais le réparer pour toi? Où est-ce? Où est-ce? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Je viens d'attendre quelqu'un déplacé d'un endroit à l'autre. Oh, qu'est-ce que tu cherches? L'entreprise est vraiment occupée. Si tu es avec des investisseurs, il y a des réunions, des réunions et des réunions. Et j'ai oublié que j'avais une réunion aujourd'hui même. T'es sûr? Oui, ça sera très terrible. Oh, mon Dieu. Je l'ai mis où même? Je vais vérifier. Est-ce que c'est en haut? Tu sais quoi? Tu as besoin d'assistant personnel. Esther est capable. Je ne parle pas de ton secrétaire. Je parle de quelqu'un qui s'occupe rapidement de ton personnellement, s'équipe de toi. Oh. Esther, peux-tu faire? Esther est ta secrétaire. Elle est ta ressource humaine. Elle est ta conseillère. Elle sera bientôt ton ex-employé parce que tu lui donnes beaucoup à faire. D'accord, je vais trouver quelqu'un. Bien. D'accord. Est-ce que tu peux m'aider à vérifier en haut? Ou en haut? Oui, dans les cabinets. Mmh. Oh. S'il te plaît. Okay, tu as commencé. Ok, je viens maintenant. Trouve ça! Ah, viens ici, viens. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mm-hmm. Oui, bonsoir. Le mois est fini. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, tu sais que c'est un nouveau mois, mais que Dieu nous protège chaque fois. Amen. Osaze, où est mon argent? Loaï. Je t'ai laissé ici depuis 2 mois. Tu étais là seulement sans rien me donner. Mais j'ai fait de mon mieux. Oui, monsieur. Tu sais que le mois vient de finir et on est en train de commencer un autre mois. Attends, faut pas t'inquiéter. D'accord? Mais s'ils ont payé mes clients, je vais te payer aussi. Tais-toi là-bas. Hein? Donc maintenant, c'est ton père. Demain, c'est ta mère. Le lendemain, c'est tes clients qui n'ont pas encore payé. Viens, Osaze. Tu me prends comme un fou? Fou? Non, hein? Non, je peux pas faire ça. Tu es comme mon père. Le problème, merci, c'est que il y a des affaires que je fais, mais il n'y a pas l'argent pour le moment. Mais si l'argent est là, je vais te payer, t'en fais pas. Tu as fini? Oui.
Pas de problème. Faut m'attendre bien de temps. Je te donne une semaine. 7 jours pour me payer mon argent. Au sachet, si tu ne m'as pas payé dans 7 jours, je veux te sacher de ma maison. Et ça, je te le promets. Bonne journée. C'est qui encore? Allô? Allô? Bonjour. Est-ce que c'est Osazier que je parle avec? Oui, c'est Osazier. Je viens d'appeler de la Vocal Communication. Après notre application, tu es qualifié pour être l'executive assistant manager. Quoi? Tu mens. Ah! Tu mens! Oui, je suis là. Bonjour, monsieur. Bonjour. D'accord. Osazier. Bienvenue à notre compagnie. Je m'appelle Esther. Vous travaillerez directement sous la directrice. D'accord. Et voici la salle de réunion. Ici, c'est l'un des endroits favoris de votre patron. Vous êtes arrivé ici à 7h25? Oui, tu es correct. Bon, il faut continuer comme ça parce que votre patron déteste le retard. Elle vire les gens qui sont venus ici 5 secondes après 8h. Quoi? Oui. Bien, c'est interdit pour elle d'arriver avant toi. Et elle arrive à 8h. Ici, c'est son bureau. À part de zéro retard, quand Elena entre dans leur bureau, personne n'est permis à entrer jusqu'à 20 minutes. Elle fera la méditation. Après 20 minutes, une tasse de café chaud doit être servie à sa table et son programme pour le jour lui présenté. Je vais te conseiller de parler directement au cœur du sujet car elle déteste quand les gens bavardent. Pas de problème. Tu ne devrais pas écrire ça? Oui. Ne fais jamais un appel au téléphone devant lui. Une règle très importante. Ne l'interrompe jamais. Elle la déteste. Est-ce que je pars trop vite, monsieur Ehige? Pardon, appelle-moi Osazier. Et non, tu n'es pas très rapide pour moi. Elle aime quand tout est en ordre. Elle est très détaillée, méticuleuse et elle déteste les erreurs. Oui. Donc, évitez-les. OCD? Elle a le TOC, oui. Elle déteste les gens qui stagnent dans son bureau inutilement. Ok, je vois. Et finalement, voici ton bureau. J'ai un bureau? Pardon? Non, rien. Merci. Amusez-vous bien. Merci. Je t'en prie. Osazier, exécutif. Personnel assistant. Bonsoir, je suis Osazier. La patronne est arrivée. Oui. Quand j'ai vu le numéro, j'étais vraiment impressionnée par votre entreprise. Et vous êtes où? Vous êtes dans le pays? J'aimerais qu'on se voit. Et vous êtes où? Vous êtes dans le pays? J'aimerais qu'on se voit. Quel plaisir de faire des affaires avec vous. Au revoir. Ah, oui. Le chauffeur? Oui, le chauffeur. Bonsoir, madame.
On m'a employé comme ton exécutif personnel assistance. Esther, viens ici maintenant. Ne me dis pas que ça, que c'est toi que tu as choisi. Excusez-moi. Je t'ai demandé pour un assistant, pas quelqu'un qui est fou. Une bête? Je comprends pas, madame. Il a entendu tous les critères. Ses qualifications... Moi? Quoi? J'ai dit, vire-le. Pourrais-je demander pourquoi? Non, ne me demande pas. Et honnêtement, je suis très déçue de toi. Je croyais que je pouvais compter sur toi pour les petites choses. Excuse. Madame. Madame, pardon, pardon. J'ai besoin de ce travail. J'ai besoin de ce travail. Faut me le donner. La fois passée, j'étais tellement terrible et tout ça là, mais faut me pardonner. J'ai besoin de ce travail. Je crois que ça soit vraiment embarrassant pour moi d'appeler la sécurité, de te dégager de mon bureau. Non, madame, je suis changé. S'il te plaît. Dégage-toi! Madame, s'il te plaît, je suis osasie. Je ne veux pas me répéter. Madame, même si je peux travailler pour une semaine. Je fais du beurre. Comme un assistant. Jamais de la vie. D'accord. C'est qui? Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de ton aide. Pas de la vie. Tu as besoin de mon aide. Que quelqu'un me réveille de cette rêve. Arrête tout ça. Pardon, je veux que tu parles pour le propriétaire. J'ai plus l'argent. Je ne vais plus au travail, j'ai rien. D'accord. Faut le faire pour moi. Je croyais que j'étais le diable qui te donnait de la malchance. Sandra, pardon. Oui, d'accord. Je vais penser à ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Entre. Non, je n'ai pas besoin de rentrer. J'ai fait la cuisine. Non, merci. Tu veux te bénir. Je vais t'attendre. Regarde quelqu'un que je vais aider. Il n'a pas vraiment besoin d'aide. Ah. Bonsoir, Sazé. Allô, madame. Bonsoir. Mais madame, tu m'as dit que tu vas plus utiliser la voiture. Mais j'ai vu quelqu'un qui a conduit la voiture maintenant. Je peux donner ma voiture à n'importe qui me plaît. Et j'ai décidé de donner à un autre chauffeur. Mais madame, c'est pas bon, non? C'est pas bon. Ma voiture est en panne à cause de toi. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent pour la réparer. Madame, c'est pas ma faute. Je peux pas dire à la passagère de descendre de la voiture. Parce que le route n'est pas bon. Et alors, c'est parce que tu ne veux pas dire aux passagers de descendre de la voiture. C'est la raison pour laquelle tu veux gâter la voiture. J'ai dépensé plus de 200 000. Madame Kemi, je te promets. Je ferai de mon mieux pour tout faire. Je te pardonne plusieurs fois. Et maintenant, c'est la fin. Je vais donner la voiture à un autre chauffeur. Au revoir, monsieur. C'est quoi, mais...
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Osaze, qu'est-ce qu'il y a? Le propriétaire m'a chassé. Quoi? Oui, il a envoyé des gardes pour me chasser de la maison. Maman Nosa a gardé quelques parts de mes affaires et Victor a gardé les autres quand il était pleuvoir. Où tu vas rester comme ça? Maman Nosa m'a dit que je reste avec elle, mais elle est avec ses enfants. Je ne peux pas le faire. Et Victor, il vient de se marier. Je ne sais plus quoi faire. Viens rester avec moi. Quoi? Oui, viens rester avec moi. Ça ne pose aucun problème. Sandra, est-ce que tu es sûre? Apporte tes affaires, viens. Viens, viens avec moi. Merci. Osaze, pourquoi tu es resté au sol? Viens au lit avec moi. Ah, non. Merci, mais je suis bien ici. Est-ce que je vais te manger? Hein? Viens au lit avec moi. Pourquoi tu fais comme si tu n'es jamais couché avec une femme? Non, Sandra, je ne veux plus coucher sur au lit. Je suis confortable ici. Merci beaucoup, mais je suis confortable ici. Je ne comprends pas. Est-ce que je sens mal ou bien je suis malade? Non, je n'ai pas dit ça. Je viens de dire que je suis confortable ici. S'il te plaît, viens. Sandra, viens, je suis confortable ici. Viens rester avec non, moi. Non. Viens. Viens. Sandra, je veux me coucher. J'ai sommeil. Osaze. Sandra. Osaze. Sandra. Finalement. Mon frère vient de m'appeler. Il dit qu'il vient. Il vient de Zaria? Est-ce qu'ils sont en vacances? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que il vient ce soir. Et tu ne peux pas rester ici avec moi dès qu'il vient. Donc, tu dois partir. Mais ton frère est en train d'étudier à l'université de Zaria. Et ils sont en section pour le moment. Pourquoi il veut venir te voir? Est-ce qu'il y a un problème? Ou c'est à cause d'hier nuit? Je ne sais pas. S'il te plaît, ne me demande pas une question. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est quoi? J'étais hébergée. Est-ce qu'il y a des copines qui foulent ça? D'accord. Je vais m'en aller. Maintenant. S'il te plaît, maintenant, pars. Pas de problème. Frère, merci beaucoup. Tu fallait me dire que ton propriétaire était de te déranger. Je vais te donner quelque chose. Je suis fatigué de prendre l'argent chez toi. Et le propriétaire était en train de me déranger depuis. Ah, ils sont encore ensemble? Oui. Ah, frère, les femmes vont salir ton blanc. Je ne veux plus parler avec de ça. Frère, tu as déjà mangé? Non, j'ai tellement faim. Je viens, je vais t'amener quelque chose. Oui, merci frère. Oh. Ici. Mon chéri. Oh. Quoi? Oh, tu as très bien fait. Tu l'aimes? J'aime, comme c'est belle. Je sais que tu vas l'aimer. Mon Dieu. Tu sais, Dan et M. Tanu parlaient depuis et je sens vraiment qu'on va avoir une très bonne année. Je dois que M. Tanu nous supporte. Est-ce qu'on peut laisser tomber du travail?
on n'est pas dans le bureau. Parlons de nous. D'accord, mon chéri. Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Désolée. D'accord. C'est Dan. Oui, je sais. Faut décrocher. Non. Le travail peut attendre, d'accord? Tu le connais. Il va continuer pas à appeler. Ça va être très vite, d'accord? S'il te plaît. Oui, Dan, je t'écoute. On a eu ça? Oui! Je suis vraiment fière de toi, Dan. S'il te plaît, tu vas arranger une réunion avec des avocats? Dan, combien d'argent il va nous donner? Oh mon Dieu, ça c'est beaucoup d'argent. D'accord, arrange une réunion avec eux aussi. Et aussi, parle à Esther. Dan, je suis très fière de toi. Au revoir. Et qu'est-ce que tu fais encore? J'arrange une réunion avec les autres et avec Esther. C'est juste Esther et Dan. Et c'est fini. J'ai fini. Tu es sûre? Oui, je suis sûre. J'ai fini. Maintenant, moi, Jean, et 30 ans à l'avenir. C'est notre anniversaire. Et le gros contrat! Enchanté. Mangeons. Gars, tu vas pas manger? Tu étais ici depuis 8 heures, qu'est-ce qui se passe? Mon gars, c'est la femme que je travaille avec. J'ai fait ça deux fois, elle ne l'aime pas. Ah. Mais il y a une couleur que j'ai utilisée, mais mon gars m'a dit que j'utilise l'autre. Attends. Elle ne l'aime pas. Oui. Elle m'a insulté, hein. Elle m'a insulté imbécile, n'importe quoi et tout ça. Elle fait quoi? Elle est une télécommunication. Donc, pourquoi tu n'as pas utilisé la couleur de communication? Est-ce que télécommunication a une couleur? Donne-moi le portatif. Ah, non. C'est pas même difficile. On peut enlever tous ces roses. C'est trop. Tu sais que le web est trop pour elle. On peut l'enlever. Je pense qu'on peut enlever ça. Je vois. Tu sais quoi? Donc tu penses quoi? Eh bien, tu sais que j'ai aimé l'ancien, mais elle l'a détesté. Donc, évidemment, mon opinion ne compte pas. Pourquoi est-il ici? Tu sais qu'elle va le détester. Il m'a dit à propos de leurs accidents. Quel accident? Il m'a dit qu'elle ne l'aime pas, mais c'est lui qui m'a désigné tout. T'es un créateur de sites web? Il est un travailleur. Il fait beaucoup de choses. Il est dans la couture, la coiffeuse, le chauffeur et tout ça là. Il travaille bien et madame a besoin de l'employer. Hein? La patronne est arrivée. Oui. Bonjour, madame. James. Qui l'a laissé entrer ici? Est-ce que j'étais pas claire la dernière fois? Il a travaillé avec moi, madame. Et qu'est-ce que tu dis, James? Tu travailles seul? Non, il a travaillé avec moi parce que il m'a aidé. Il a designé le couleur. Toute la couleur, c'est lui qui l'a fait. Mais c'est lui qui peut t'expliquer du plus, pas moi. Ok, premièrement, nous voulions choisir une couleur pour ton marque. Quand vous voyez jaune, cela signifie MTN et rouge pour Airtel. Et tu crois que pourpre est la couleur de ma marque? Ce ne sont pas des gens, c'est violet. Et violet dit que je suis ici pour gagner, je suis unique et puissant. Nous avons conquis votre logo. Je suis désolé. Je vais prendre mon portable. Je le chargeais quelque part ici. Désolé. Est-ce que tu es toujours comme ça?
Un homme qui ne sait pas bien travailler? Je suis désolé, mon batterie. C'est toujours faible. Quelque chose avec toi. Mais tu as un chargeur dans ta voiture. Pourquoi ne pas charger là-bas? La voiture n'est pas à moi. Le propriétaire l'a pris. Désolé de vous déranger, madame. Est-ce que tu es toujours intéressé à travailler ici? Quoi? Sois là à 8h le matin. 8h! Oh, merci, madame. Merci, madame. Merci. Je suis tellement joyeux. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Tu peux partir. Merci, madame. Merci. Je suis très joyeux de travailler ici. C'est bon. N'oublie pas ce que tu devrais faire aujourd'hui. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Du café, s'il te plaît. Je pense que tu as dit qu'elle médite dans le matin. Mais si elle veut le café, donne-lui le café. Ok. D'accord. Je t'envoie ça maintenant. D'accord. Madame, Monsieur Isaac a appelé. Il dit qu'il veut te voir à 16h. Est-ce que tu as quelque chose à manger? Supprime-moi au sazé. Et j'ai une réunion demain à 11h. Demain, c'est samedi. Ne m'interromps plus jamais quand je parle. Est-ce que je suis claire? C'est moi qui te dis quand tu travailles. Oui, madame. Pas à toi de me dire. Et tu travailles demain? Oui. Bonjour. Oh. C'est qui ça? C'est juste mon assistant. Oublie-le. Ça va? Comment tu vas? Je vais bien. Et c'était comment le voyage? C'est bon. C'était bien? Et tu t'amusais sans moi. On a trop de travail à faire. Donne-moi une seconde. Oui, Salo? Oui? Fais-le entrer dans 5 minutes. On a 5 minutes à se parler. Monsieur Jude, c'est Elena. Oui, mais je ne comprends pas. Les numéros ne collent pas. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'ai un appel qui vient. Tu sais quoi? Donne-moi des documents. Merci, d'accord. Salut, papa! Oui? Tu es prêt pour l'acquisition? Non, tu ne dois pas être là. Oui, c'est bon hein, pour travailler. oui, je voulais même... D'accord. Comment ça va là-bas? Est-ce que... Et maman? Oh, vous me manquez. Non, c'est juste mon assistant, papa. Non, non. D'accord, tu sais quoi, papa? Je vais envoyer tout ça à ta mail et si tu as des corrections et tu n'auras pas, tu vas me dire. Et envoie-moi ça. Oui. Je t'aime aussi, papa. Et dis bonjour à maman. Au revoir. Et pourquoi tu es toujours là? Quelqu'un va te voir. Qui? Ta cousine. Oh, Frida, fais-la entrer. Bien. Osaze, apporte-nous à boire. Pas de problème. Tu devais être là. C'était incroyable. Le mari de ton oh. Le futur mari. Sortait avec 6 de oh. ses amis. Attends, attends. Comment on ne peut pas savoir qu'on sort avec quelqu'un comme ça? Je ne sais même pas. Il était vraiment dégoûtant et divertissant. Frida, tu sais toujours tout ce qui se passe. Tu sais quoi? Ah, allons déjeuner. Osaze, va chercher le chauffeur.
C'est qui ça? C'est ton assistant? Oui. Ma chérie! Quoi? Frida, c'est mon assistant. Viens. Je ne la déteste plus. Je dis, je reçois une indemnité de clôture, de transport et de gratuite nourriture. Elle est maintenant très gentille. Oui, gentille? Son copain. De l'autre côté, il y a quelque chose de louche chez lui. Je ne sais pas, mais je peux juste le sentir. Comment tu saches que le gars n'est pas pur? Je peux juste le sentir à l'oral. L'énergie... Regarde, tu sais, mon gars, ça suffit. Tu es en train de chercher le travail depuis des temps. Tu l'as maintenant. Maintenant, tu veux parler des riches. Ils vont t'engager, hein. Faut concentrer sur ton travail. Et même, le gars là, je veux boire avec toi. Frérot, apporte une cuillère, pourquoi? Regarde ce gars là. Non. Regarde, 400 000, c'est rien pour elle. Elle peut le buyer rapidement. Nous devons juste arranger d'une manière. Hey, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es là comme André Kivy, de voir des tours étendus pour la première désolé, fois. Frère. J'étais allé acheter quelque chose. Sors d'ici, mon gars. Je voulais le dire. Vous voyez, ces accusations vont être énormes jusqu'à ce que nous nous sommes mariés. Ajoute un autre avantage. Croyez-moi, bébé. J'espère vraiment que ça vaudra le coup parce que 400 millions, c'est beaucoup. Allez, bébé. Ici, tu es un nouveau usine de pétrole brut. Tu crois? Je peux vous garantir que vous pourrez récupérer votre argent. D'accord. En une seule journée. Surtout avec votre position. Je sais que tu iras bien. Pourquoi tu fais ça? Je t'aime. Quelque chose ne va pas. Quand je l'ai vu parler à cet homme, je sais juste que le type veut lâcher ce bébé. Tu as vu le gars, tu penses qu'il veut faire... Il veut truquer la bébé? Oui. J'ai du nez pour ces choses. Mon sentiment n'est jamais faux. Attends, Osas. Faut pas me dire que tu veux aller là, dire que le gars va le truquer, hein? Elle peut pas virer. Pourquoi m'aurait-elle viré? Ah, tu ne la connais pas. Regarde. Si tu n'es pas sûr, faut pas lui la dire rien. Faut pas la rien dire. Frérot, mais pense de ce truc. Et si c'était vrai? Elle perdra 400 millions. 400 millions? Mais ça ne te concerne pas. 400 millions, ça ne te concerne pas. Je me sens juste mal. Parce que je n'aime pas avoir quelqu'un faire des erreurs. Regarde, Osas, moi, ça ne me concerne pas. Hein? Ça ne me concerne pas.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que le rapport de mon père est prêt? Ça sera prêt. Je travaille à propos de ça. Et à contre-temps, tu as décidé d'entrer dans mon bureau et d'être là en train de faire rien? Actuellement, je voulais te demander si tu veux du déjeuner, mais tu n'as rien dit. Osaze, je viens de manger le déjeuner. Il y a quelques moments, tu étais là, n'est-ce pas? J'ai oublié, madame. Ah, tu sais quoi? Finis au rapport et va chez toi. C'est le samedi. Et c'est tout. Oui, sûr. Et en plus, Osaze, je veux que tu fais des tickets pour Abuja et fais des réservations aussi. Maintenant, tu peux partir. D'accord. Oui, papa. Oui. On est sur la route à l'aéroport. Dès qu'on atterrit, je vais te donner toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup, papa. Merci. Au revoir. Ah. Donc, madame, on y va à Abuja pour acheter l'usine? Je croyais que c'était évident, vous savez. Mais madame, est-ce que tu es sûre que c'est bon comme ça? Tu sais, acheter toutes ces entreprises-là, c'est pas bon. Hein? Parfois, les gars de technologie peuvent parfois être assez trompeurs. Et qu'est-ce que tu sais exactement des rapports de 400 millions? Tu n'es qu'un chauffeur d'Uber. Fais ton travail. Et à quelle heure on arrive à l'aéroport? Oui, 15 minutes. On sera là. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bienvenue. J'ai fait la réservation de deux dans le nom de Hélène Makele. Laissez-moi la confirmer. Oui, je l'ai vue. C'est la chambre 404. Ça devrait être deux clés. Pourquoi tu m'as donné une? Désolée, tu as réservé juste une chambre. C'est pas possible. Attends, est-ce que tu peux me donner une autre chambre? Non, monsieur. Toutes nos chambres sont réservées. Désolée. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Cet hôtel est très grand. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce qui se passe? Madame, il y a des erreurs. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai fait des réservations pour deux. Maintenant, elle me donne une seule clé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il a demandé une chambre pour les couples. Et c'est ce qu'on a réservé. Mon Dieu! Tu es vraiment incompétent! Qu'est-ce que tu fais toujours là? Dégage! Dégage maintenant! Je suis désolé pour l'erreur, madame. Je suis désolé. La prochaine fois, tu vas parler plus correctement. C'est ce que tu vas faire. Il y a une autre hôtel dans la rue. Je peux aller là-bas pour prendre la chambre. Sois là à 8h le matin. Tu étais là pour rendre ma vie plus facile, pas misérable. Ferme la porte en sortant. D'accord. Je n'accepte pas ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont augmenté l'argent à la dernière minute? Je pensais qu'on était d'accord avec 400 millions. Il y a quelqu'un qui est intéressant pour acheter l'entreprise à 500 millions de naira. Elena, ton père n'approuverait jamais de ça. Tu sais quoi? Ils n'ont pas pardon pour négocier. Je pense que nous devrions l'abandonner. Non. C'est déjà trop tard pour cela. Sarah, parle aux avocats et rédigez un contrat. Non. Oui? La compagnie vaut ça. Fais ça et tiens-moi au courant. Ça, c'est une belle décision. Merci, mon amour.
Et à toi, Osaze, fais un rapport et envoie ça à mon père. Je veux qu'il soit tenu au courant. Merci, Bercy. Définitivement. Merci beaucoup, Sarah. C'est ce que je suis en train de dire. Même le comptable sent ce que je sens. Mais non, elle ne veut pas attendre. Son copain est en train de la pousser, la pousser. Bien sûr, mon frère. Tu sais ce qu'est un demi-milliard? Je parle de 500 millions ici. Tu peux pas l'arrêter. Une personne qui n'a pas écouté l'avocat, tu penses qu'elle écoutera son assistant personnel? Mec, oublie ça. Ce n'est pas ton agent qu'elle veut utiliser. Hein? Même si. Vous m'aidez toujours à vérifier l'entreprise, mon frère. Quand suis-je devenu votre garde de BP? Pourquoi tu parles comme ça, car tu parles comme un fou. Tu parles comme une personne qui n'a pas de la tête. Faut faire tes web de vérification. Faut le faire pour moi. Pardon, frère. Attends, c'est très sérieux comme ça? Non, frère, je suis tellement inquiété. Attends, faut m'aider pour le vérifier. Je vais t'envoyer à WhatsApp maintenant. Faut m'aider. C'est à cause de toi, gars. C'est à cause de toi, hein? Aide-moi pour le faire, frère. Ok, y a pas de problème. Gar, comment? Gar, je pense que quelque chose se passe. Je l'ai dit. Je suis très sûr. Je t'ai demandé une question simple. Quelle question? Est-ce que c'est vrai? Quelle question? Qu'est-ce que tu sais de cela, Destiny? Regarde, tu sais, je peux pas dénifier cette question en vous donnant une réponse. Je veux dire, je suis tellement épuisé que vous faisiez penser que j'ai volé votre argent. Allez! Arrête de faire cela! Tu as dit que toi et Chika sont des amis d'enfance. Uh-huh. Et vous avez fait beaucoup de contrats ensemble, oui. n'est-ce pas? Attends, écoute. Tu vois, le Chika là, il est un bon manager. Il n'est pas! Oui, il est. Il n'est pas! Et tu sais quoi? Tu es trop stupide de le voir. Ou bien tu fais partie de leur plan. Non. N'est-ce pas? Tu sais, je vais parler aux autorités et leur demander. Hey, donne-moi mon portable. Calme-toi. Donne-moi mon portable. Écoute, calme-toi. Juste ce que tu penses, tu voulais savoir ici, sache juste que je suis innocent. Comment tu peux, bébé? Tu penses que je peux voler 400 millions de toi? C'est 500 millions de naira. Mais pourquoi tu vas penser comme ça? Je peux pas te voler donne-moi 500 mon portable. Millions. Monsieur Destiny, pardon, fais retourner son portable. Ou quoi? Tu vas me frapper? J'ai déjà appelé les enquêteurs, donc ils sont en route pour venir ici. Calmons-nous, qu'ils viennent. Tout sera clair, d'accord? Comme tu dis que tu es innocent. Oui, sûr, bien. Donc tu vois que je suis innocent. Qu'ils viennent. Et tu verras que je suis tellement innocent. Pour le moment, je pense que je dois prendre... Il ne viendra plus. Il est parti comme ça. Est-ce que tu peux croire? C'est ton dégoûtant. Et on est ensemble pour des années. Est-ce que tu te portes bien? Est-ce que tu as vraiment appelé les autorités? Non. Je blague. Il est violent. Il veut te frapper, donc... Madame, ton portable était en train de sonner depuis. Est-ce que tu peux leur dire que je vais leur rappeler? Je peux pas parler à personne maintenant, Sazé. Je pense à ce qui s'est passé. Mais il ne t'a pas volé. On peut célébrer ça.
500 millions de naira au Sazé. J'étais si aveugle. Je n'aurais jamais me pardonné. Jésus, mon père aurait été très déçu de moi. Tu sais quoi? Tu as raison. On doit fêter. Est-ce que tu connais un endroit où on peut manger? Tu dis nous? Toi et moi? T'es sûr? Évidemment, Osaze. Tu as sauvé cette entreprise d'au-dessus de 500 millions. Je dois t'acheter à dîner. D'accord. Il y a cette place que mon ami m'a dit une fois comme ça. Est-ce qu'ils ont du repas? Bon repas. Parfait. Apporte mon sac et allons-y. Tu étais magnifique aujourd'hui, tu sais, je dois te le dire. Tu as finalement fait ton travail. Tu as vraiment dit ça à cet homme dégoûtant. Et me voici en train de me faire valoir mon père. Et cet imbécile voulait me cracher. Mais tu l'as attrapé. Non, c'est toi qui l'as attrapé. Moi, j'étais folle et stupide. D'accord. Ça suffit. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Tu vas être saoulée. Et quoi, assistant? Tu dois t'amuser. D'accord. Quoi? Ça va. Tu sais ce que tu as fait? Tu as évité un désastre dans la compagnie de mon père. Sazé! Ouh! Savage. Est-ce que c'est le lit? Non. Ah! Oui, tu es là. Mon lit m'a manqué. Et le lit t'a manqué aussi. D'accord. Tu es très saoulé et tu dois dormir maintenant. Viens ici. Oui, d'accord. Il faut tous se coucher. Parfaitement. Tu es si gentil avec moi. Et Frida a dit que j'étais comme... Non. Et maintenant, je sais. Imagine que... On te... Merci. Quand j'apporte mon portable. Non, d'accord. Attends. Tu m'as sauvé encore. Oui. C'est très simple, ça. Tu n'es pas grosse. Tu veux que
que je te supplie. Oh, comme c'est terrible. Mon assistant ne veut pas me baiser. Chut, tais-toi. Non, c'est pas bon. Tu es parfaite. Et même, tu es très belle. Tu es la belle femme que j'ai jamais vue. Bien sûr. Mais je ne peux pas. Oh. Non. Je veux pas que tu partes. Si je me couche dans cette chambre, tu vas me chasser demain. Je te promets. Donc pardon. S'il te plaît. With a clear mind, you was all mine. Before you said hi, I was all up in your space doing check time. And the midnight, when the lights are, I'll be headed to your bed with a huge smile. Then I realize I've been living lies. Time to brace up, no thinking twice. Tu vas bien? À demain. C'est qui? Entre. Bonjour. Oh. Bonjour. Je t'ai amené de la poulet et du paracétamol. Merci. Tu as mal à la tête, je pense. Oh. Oui. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Oh. Comme? Tu es en train de chanter pour tout le monde dans l'hôtel. Non. Ma tête. Mais c'est pas très mal. C'était mon simple. Dieu, que papa n'entende pas cela. Et la tienne? C'est tout. C'est tout ça. Si tu le dis. Ah, ne me laisse jamais boire de l'alcool. C'est pour cela que je déteste l'alcool. Tu as besoin d'autre? Est-ce que... Quelque chose s'est arrivé entre nous la nuit dernière? Je sais que tu m'as dit de ne pas demander... Mais je me rappelle des choses bizarres. Il n'y a rien qui s'est passé. Oh, d'accord. Tu voulais qu'on fasse quelque chose? Oh, c'est mais terrible. Mais il n'y a rien passé. Vraiment? Je suis très sûr. Oh, tu es sûr? Oui. Je ne suis pas comme ça. Bon. Très bien. À propos du contrat Osazé, je suis très reconnaissant envers toi. Merci. Est-ce que ça sera facile que le Tazi vienne ici? Je crois que oui. Oui. D'accord. Osazé. Moi?
Je pensais qu'on pourrait dîner ensemble, encore. Pas d'alcool cette fois-ci. Oui. Ça sera bien. D'accord. Tu peux prendre la voiture. Amuse-toi avec. Et tu peux même dire à ta copine que c'est la tienne. J'ai pas une copine. Ah. Oh. Ouais. Est-ce que je peux t'aider? Non, non. C'est bon. D'accord. Pas de problème. Donc, j'ai parlé à mon père avec toi et il était impressionné. Il est vraiment impressionné et il veut te donner un boulot dans la compagnie. Tu sais qu'on doit fêter normalement. Tu reçois une promotion et tu vas me quitter. Je pense pas que tu es sûr. Mais je t'ai vu impeccable. Oh. Merci. Trinquons. All the things I did for you. All the feelings that I claim is true. Then you're breaking my heart and we're falling apart. And I am drowning in thoughts of you. All the things I did for you. All the feelings that I claim is true. Then you're breaking my heart and we're falling apart. And I am drowning in thoughts of you. Love, I never wanna see you sad. Love, I never wanna hear you cry. When you ever need me, I will be right there. Baby, you can call me now. Love, I never wanna break your heart. Love, I never wanna leave your side. When you ever need me, I will be right there. Est-ce que c'est lui? C'est ça, mon copain. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Sazé, mon amour, calme-toi. Est-ce que tu vas arrêter ça? Calme-toi. Allez, va-t'en, va-t'en d'ici, va dehors. Tu calme-toi. As quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Calme-toi. Hé, Dieu est vraiment miséricordieux. Regarde-toi, tu as même une voiture. Quelle voiture? Oh, donc c'est à cause de la voiture de mon madame que tu as venu ici. Oh, Sazé, calme-toi. Je sais que j'étais offensée. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je suis venue
pour te demander pardon pour tout ce qui passe. Sandra, je t'ai écouté. Va-t'en, on va parler après. Je sais que tu veux me chasser. Je te supplie, s'il te plaît. Je t'aime toujours, s'il te plaît. Oui, est-ce que tu as vu Osazé? Il est allé dehors. Sandra, s'il te plaît. Va-t'en. Je suis au travail maintenant. Je veux pas de problème. Va-t'en, s'il te plaît. Osazé, je t'aime. Tu m'aimes pourquoi? Je te dis maintenant, faut t'en aller. Hein? Je vais appeler le sécurité Osazé, pour toi. Osazé, hein? S'il te plaît. Sécurité. Osazé, s'il te plaît. Sécurité, tu penses que je blague? Sécurité. Osazé, je t'aime toujours. Pardonne-moi pour ce que tu as vu. Tu as de l'audace, tu sais. Je suis surpris de la regarder. Elle n'est pas ma copine, elle est mon ex-copine. Je m'en fous. Oui, tu es. Seul pourquoi tu es fâché. Je suis ta patronne. Est-ce que tu as oublié? Et si je dois être fâché, c'est la manière dont tu te conduis. Je dois te virer sur le champ. Je t'aime. Elina, je t'aime. D'accord? Sandra est juste ma ex-copine. Elle m'a regardé dans ta voiture et elle est venue ici encore. Je t'aime. Et toi seul. Et je te disrespecterai jamais. Jamais. Joyeux anniversaire. Je ne t'ai pas dit que c'était mon anniversaire. Ouais, je dois savoir, c'est toi. Esther t'a dit non? Oui, elle m'a dit. Ah donc, Frida et moi sortons et normalement on achète des choses le jour de notre anniversaire. Mais moi et toi, on peut sortir après. Oui. On peut aller dans un endroit plus privé. Oui, c'est ça que je veux dire aussi. Tu es? Mm-hmm. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Avant? Mm-hmm. D'accord, je vais te dire quand c'est l'heure. D'accord. Joyeux anniversaire encore. Merci. Oh mon Dieu, bonne nouvelle. Ma chérie, aujourd'hui c'est ton anniversaire, sortons. Oh. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis avec quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que c'est un homme? Dis-moi. Tu ne le connais pas. Tu as laissé l'autre gars et tu ne m'as pas dit? Ah, non, ne dis pas ça. C'est juste un ami. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Menteuse! Je te déteste. Je t'aime. Joyeux anniversaire. Merci. Maintenant, où est mon cadeau? Ah, Elena.
Tu aimes les choses chères. Tu ne peux pas dire ça chaque année. Tu es si chère, je peux pas t'acheter quelque oui, chose. Oui, bien sûr. Joyeux merci. Anniversaire. D'accord, tu sais quoi? D'accord. Dépose-moi près de ma voiture et sors. D'accord. Est-ce que c'est lui que tu veux sortir avec? Vous êtes ensemble? Je savais que ça va arriver. Frida, non, ne dis pas ça. Ça, c'est Osaze, mon assistant. Il est venu me chercher pour me déposer au restaurant pour la personne qui m'attend. D'accord. Salut, assistant. Salut, madame. Ça, c'était bizarre. Que Dieu ne plaise pas que tu me présentes comme un assistant personnel idiot. Je n'ai pas dit ça au Sazé. Tu n'as pas besoin de le dire. Je vais au bureau, madame. Au Sazé, attends. Osaze, j'ai dû mentir. Frida parle trop. Qu'est-ce qui est mal si les gens sachent que tu as le sentiment pour moi? Hein? Tu ne peux pas même l'admettre pour toi-même. Mais moi, j'ai fini. Osaze, ne agis pas comme ça. Ça, ce n'est pas un problème. Du reste, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ça doit être une bonne journée pour nous tous. Ton acceptance pour moi n'est pas un problème pour moi. Quand tu ne remarques pas que ta rejection au public ne m'affecte pas, c'est quoi le point? Je pense qu'on doit arrêter ça maintenant. Avant qu'on soit trahi. Sazé. Osaze, il est en train de ramasser ses affaires. Que s'est-il passé? Ça ne te regarde pas. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Parce que... Je t'aime. Oui. Un secret. Tu peux même pas l'admettre pour toi-même. Tu veux que je va chez Esther pour lui dire que je t'aime? Parce que je le ferai. Tu veux que je dis à... tout le monde à la compagnie, même à mon père et à tout le monde que je t'aime, je le ferai. Je t'aime. Mais quand Frida m'a demandé, je ne savais pas quoi dire. Et j'ai réagi comme je l'ai fait. Je suis désolée, mais je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Je suis désolée que je t'ai fait du mal.